De retour au stade Fernand Bédard pour ce match entre le New Jersey et Trois-Rivières. Et Nicolas, on arrive exactement pour le début du match. Le tir, troisième base serait là. Et dès le départ, Bollinger inscrit un retrait au bâton. Le tir, balle frappée, elle perce l'avant-champ. La balle a passé entre le joueur de deuxième et le premier but. Et elle termine sa course en roulant au champ droit. Balle, un toussé au champ droit, tout près de la piste d'avertissement. C'est Sanchez qui recule et saisi pour le troisième retrait. Début de deuxième manche ici à Trois-Rivières. L'égalité 0-0. Balle frappée solidement au champ centre-gauche. À la piste d'avertissement, elle est frappée contre le tableau. C'était une longue balle et c'est maintenant 1-0 New Jersey. Fin de deuxième ici à Trois-Rivières. Les Aigles qui tirent de l'arrière par la marque de 1-0. Balle frappée vers le joueur de troisième qui est incapable de capter cette balle. Ce sera un simple pour Guzman pour amorcer la manche. Une et une. Balle frappée vers Nicaragua au troisième, qui remet au deuxième pour un. Et au premier! Attends! Pour le troisième retrait. Retrait. Double jeu plutôt 5, 4 et 3. Fin de troisième manche. Balle frappée vers le joueur de deuxième. Remet attends au deuxième et remet au premier. Attends! Pour le double jeu. Double jeu 4, 6 et 3. Fin de quatrième manche ici à Trois-Rivières. Les Aigles qui tirent de l'arrière par la marque de 4-0. Balle frappée vers Nicaragua, troisième, qui plonge la balle, passe en dessous de lui. Ce sera un simple pour José Cuevas pour débuter cette manche. Pendant que Cuevas soulève un ballon l'entrechamp, longue course du Botchilla, cette balle va tomber en jeu et elle débite du côté droit. Miller marque le point, on pousse également. Grave Omar plutôt, et c'est maintenant 4-2 pour New Jersey. Balle frappée seulement au champ centre. Longue course du Botchilla qui saisit pour le troisième retrait. Le tir, balle frappée solidement au champ centre. Brown saisit la balle après un bond. L'échappe et on pousse Tarley Omar, mais pas de relais de Brown. Sixième point des Jackals dans ce match qui mène maintenant par la marque de 6-2. Fin de sixième manche, les Jackals qui ont ajouté deux autres points. Leur dernier tour au bâton et mène maintenant par la marque de 6-2. La cible est à l'intérieur. Troisième prise sur décision. Fin de huitième manche, les Aigles qui tirent de l'arrière par 4. Fin de neuvième manche, dernière chance pour les Aigles qui s'amènent au bâton. 3 et 1. À l'intérieur, quatrième balle. Et les Aigles ont maintenant les sentiers tous occupés. Deux retraits, fin de neuvième. Et le point égalisateur se retrouve au bâton. Troisième prise serait là. Victoire des Jackals du New Jersey par la marque de 7-3.